Jean-François Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La rencontre. Lisée. Mulcair. Alors, Tom est seul sur la glace cette semaine. Et Tom, écoute, je suis sûr que tu as lu le budget de l'an 1 de PSPP. Que tu es devenu un fervent souverainiste. Maintenant, c'est réglé. C'est réglé, hein? Il t'a convaincu. Je ne sais même pas maintenant pourquoi j'avais des doutes. C'est le paradis, c'est le nirvana, c'est le paradis sur Terre. On a juste à suivre Paul Saint-Pierre Plamondon et notre ami Mathieu Boccoté. C'est réglé pour moi. Je n'arrive toujours pas à croire que j'ai douté. Qu'est-ce que tu penses de cet exercice-là? Est-ce que c'est un exercice Politiquement, c'est 10 sur 10. Politiquement, c'est absolument brillant. Et il est quand même un phénomène, PSPP, parce que je me souviens toutes les voix qui... je rêve fidélité au roi Charles III. T'aurais pas le choix. Puis Legault disait, non, FNL, puis tout le monde, non, il va être obligé de le faire. Et là, je le regardais aller, je dis, il va refuser. Et quand c'était devenu très clair pour tout le monde qu'il allait refuser, ils étaient obligés de réagir parce qu'il y avait un gars qui venait d'être élu avec son équipe et il refusait de prêter serment au roi. Ils ont changé la loi pour leur donner raison. Et ça s'appelle, qu'on soit d'accord sur le fond ou pas, ça n'a pas d'importance. Ça s'appelle du leadership, hein. C'est lui qui mène, c'est les autres qui suivent. Et on lui disait qu'il pouvait pas. Quand il a annoncé, il y a un bon bout de temps, il a dit que sur l'horizon de quelques mois, je vais produire notre budget pour l'an 1, la souveraineté. Tu peux pas faire ça. Rappelle-toi, Parizeau a essayé ça aux années 70, oui. C'est toujours un échec. Il dit non, je vais le faire. Ça tombe à un moment où Legault est à son plus bas. J'ai jamais vu Legault aller si mal. Personnellement, là, il va pas bien. Il est encore très sonné de ce qui est arrivé à Jean Talon. Il voit qu'il est fragile dans l'esprit des gens. Il pensait qu'il trônait en roi et maître par-dessus tout le monde. Hop là, il a eu une leçon. Donc, ça arrive à un moment où les gens disent, amène-nous les idées. Puis les gens ont regardé ça. En fait, c'est une drôle de comparaison, mais de la même manière que Legault a réussi une prouesse politique en inventant un parti politique et en gagnant deux majorités, PSPP est en train de réussir une prouesse politique parce qu'il dit, je m'en balance si ça n'a pas marché par le passé, je veux en parler parce que j'y crois. Et cette sincérité, ça transperce tout en politique. Et PSPP est très sincère dans ses croyances. Et ça marche. Donc, est-ce que les 4 péquistes sont devenus 60 péquistes du jour au lendemain? Non. Mais hier, j'étais à la joute, justement, avec Mathieu Boccoté et Yasmine Abdel-Fadel, mais Mathieu était cinglant. Il a dit, c'est parce que François Legault, dans son fort intérieur, est souverainiste. Et pour une fois, Yasmine et moi, on était d'accord avec Mathieu sur quelque chose parce que je me suis toujours dit que ce type-là, c'était son port d'attache émotif et personnel. Mais depuis, j'entends, il fait une série de gaffes, il se promène dans le corridor, il regarde ses lacets, il me fait penser à Quasimodo parce qu'il est penché comme ça par devant, et ça va pas bien. Et t'as vu la caricature de Y hier où t'avais PSPP en super-héros, Capitaine Québec, et là t'avais François Legault qui était comme un Capitaine Canada puis qui se disait « je peux pas croire que je suis en train de jouer ce rôle-là ». C'était tellement drôle comme caricature. C'est exactement ça. Alors, je sais pas si t'as catché ce fin détail hier, mais le même François Legault, un peu trop bougon, maussade, moribond de ce temps-ci, se promenait encore dans le corridor hier, puis en sortant de la période des questions, il chialait, il dit « Hey, me comparer à Jean Charest et Jean Chrétien, quelle insulte! » Allô? Tu sais, Richard, je soupçonne que tu as été comme moi fan de la lutte dans ton jeune temps. Je rappelle, tu sais, imagine là, que Abdullah the Butcher Killer Kowalski se peignent au forum, ils font semblant de se faire mal. Quand ils sortent, est-ce que tu pensais qu'ils se tapaient avec une chaise à la taverne d'en face quand ils prenaient une bière? C'était un jeu, c'était une gamme. Ce qui se passe en dans, ça se passe en dans. C'est ça, c'est la partie théâtre. Puis la partie du vrai monde recommence après. Mais Legault est en train d'amener ce qui se passe en dedans, dehors.
Et ça, pour moi, dans toute mon expérience politique, c'est très mauvais signe. Je pense que ce gars-là est super fatigué. Je pense qu'il va pas bien. Écoute, son truc qu'il a inventé pour les universités anglophones, là, c'est en train de vieillir très mal. Hey, Graham Fraser a été vraiment extrêmement sévère. Là. Il te l'a planté, parce que c'est Graham qui a rappelé ce qu'il avait dit le soir de son investiture dans Rousseau il y a très longtemps. Mais parlant de ce François Legault-là, tu sais, le jeune fringant, un peu imbu de lui-même, très haute opinion de ses opinions, ce gars-là était toujours temporisé par le fait qu'il avait un excellent sens de l'humour. Moi, en fait, j'ai assisté en 2015, après ma propre défaite lors de l'élection contre Trudeau, une journaliste qui m'a invité à la tribune de la presse à la soirée à Québec. Et ça a l'avantage d'être off the record. C'est pas répété. Celui d'Ottawa est filmé aujourd'hui. Ça enlève tout le charme. Mais là, celui-là était off the record. Puis le François Legault que j'ai rencontré ce soir-là, attachant, drôle, intelligent, capable de rire de lui-même. Richard, le gars qui se promène dans le corridor en regardant ses lacets depuis deux semaines, il est plus capable de rire de lui-même. Il trouve ça très grave ce qui lui arrive. Il est pas de bonne humeur et ça transparaît. Et toutes ses décisions, depuis Jean Talon, sont une foire épouvantable. Son truc, là, écoute, six anciens premiers ministres, donc, dont Pauline Marois et Lucien Bouchard, et les frères Johnson, et Couillard, et Charest, lui ont tous écrit, dire Monsieur Legault, ce que tu peux appeler s'oppose, là, ta réforme de la santé, ça va tout faire tomber, puis c'est déjà assez fragile comme ça. Le nœud du truc, c'est la même chose que les commissions scolaires. Legault, c'est un ancien ministre de l'Éducation, ancien ministre de la Santé. Bon. Les gens à l'éducation disent, boss, on peut pas toujours tout faire ce qu'on veut, on a les commissions scolaires. Legault, pas de problème, je vais scraper les commissions scolaires, mais mettre mon monde, ils vont faire ce que je dis. Ah oui, ça a tellement bien marché les centres de services scolaires. Il va scraper, Richard, il va scraper 30 conseils d'administration dans des trucs aussi disparates l'un que l'autre, des choses qui n'ont rien en commun, des communautés qui ont bâti des institutions, comme des universités d'ailleurs, ils ont bâti des institutions. Comme l'Institut de cardiologie de Montréal, comme l'hôpital Sainte-Justine, etc. Des fonctionnaires à Québec qui vont tout prendre le contrôle de ça. Ah ouais, les mêmes fonctionnaires qui ont scrappé la santé depuis les 40 dernières années. Ben c'est ça. Écoute, on a trouvé le problème, Tom, on n'a pas assez de pouvoir. Tom, on avait critiqué justement Gaétan Barrette parce qu'il centralisait trop, il me semble, c'est ça. Puis là, le gouvernement s'apprêtait à faire exactement la même chose, à ramener dans le giron de la machine des institutions qui avaient une certaine indépendance. Et encore, il y a deux places, en tout cas, je ne serais plus invité au souper de Noël de l'Hôtel de Ville de Québec pour dire ce que je vais dire là, mais si tu déménageais la santé à Montréal, cette agence, si tu déménageais la partie centrale du ministère des Transports, juste ces deux ministères-là à Montréal, tu aurais des petites chances de réussir. Depuis le moment que les décisions se prennent à Québec pour tout ce qui est transport et route dans la région de Montréal, c'est une catastrophe. Et depuis que tu as un ministère de la Santé qui était bien placé aux années 70-80, fait du bon travail, réforme, soins d'assurance médicale, universelle, gratuite, tout ça, c'était très bien mené. Mais aujourd'hui, avec les règles de gestion qu'on a, la dernière chose qu'il faut faire, c'est de shipper le conseil d'administration de l'hôpital général juif à Québec, sur l'avenue Joffre. C'est un non-sens, puis ça mélange complètement la fonction recherche, la fonction clinique, les fondations qui sont là depuis toujours. C'est un rêve de fonctionnaire que Legault est en train de permettre. Dubé n'est pas est brillant. Dubé, c'est un excellent ministre. Lui, il voulait réagir, puis Legault a envoyé paître 6 anciens premiers ministres. Non, écoute, c'est bizarre qu'il est en train de centraliser exactement ce qu'on reprochait à Gaétan Barrette. Je pensais à toi aujourd'hui en lisant ce qui se passe à Canada Vie, parce que toi, tu martèles ce message-là avec raison. Tu répètes toujours que la machine fédérale qui est censée rendre service à des citoyens et à ses propres employés, elle est tout croche. Et tu le dis souvent, tu as tellement raison. Richard, si je pouvais jouer chacune de mes conversations avec Canada Vie, oublie pas, je suis retraité du fédéral.
Alors, j'avais mes assurances avec eux autres. Donc, ils étaient avec Sun Life, ils ont changé pour Canada Vie. Et dans ma dernière conversation, je te relaterai juste celle-là, la fille a dit, mais je vais te transférer à un autre département. Puis je me mets presque à pleurer au téléphone. Dis, non, fais pas ça! Je veux te donner mon nom, mon numéro de téléphone, mon adresse, mon numéro d'assurance sociale et que tu m'envoies mes papiers. Parce qu'on avait déménagé puis je trouvais pas un numéro de dossier, machin. Elle a dit, non, on n'a pas le droit de faire ça. Je dis, comment ça, on n'a pas le droit de faire ça? Elle dit, ben, parce que Sun Life a tout ça. Ben, je dis, oui, mais ça vient d'être transféré à Canada Life. Ouais, mais ça marche pas de même. Tu peux pas avoir ça juste transféré comme ça. Je vais te transférer à un autre département. Je dis non. J'ai fini. Je pense que j'ai fait 8 conversations téléphoniques comme ça. Kafkaesque. Honnêtement, je ne suis pas dans le stand-up, mais si j'avais les enregistrements, je pourrais faire comme quelque. Tu sais, il y avait un comique américain. Il prenait la loi sur les impôts puis il le lisait. Il se mettait devant le micro, tellement c'était loufoque, les subdivisions puis les trucs, il le disait. Et les gens se tordaient de rire tellement c'était loufoque. Moi, je jouerais mes conversations avec des bureaucrates, tu tomberais à terre. Mais Tom, heureusement, t'es en bonne santé. T'imagines si, en plus, tu devais te battre contre un cancer et te battre aussi contre la machine bureaucratique, tu sais? Non, mais c'est ça qui est dingue. Et oui, c'est indescriptible, le dysfonctionnement, l'incompétence, l'incurie. C'est absolument, c'est presque drôle, mais c'est pas drôle parce que comme tu dis, il doit y avoir des gens qui sont pris avec un cancer ou un truc de sérieux, puis ils doivent essayer de naviguer là-dedans. Ils m'ont encore écrit cette semaine, la gang de Canada Life, parce que la seule chose qui restait avec Sun Life, c'était nos assurances dentaires. Puis là, ça aussi, ça va être transféré. Oh, j'ai demandé, quand j'ai fini par finir, je dis, tu vas m'envoyer donc une nouvelle carte? Il dit, non, parce que les cartes sont en plastique, on n'a plus le droit d'utiliser du plastique au fédéral. Puis je dis, qu'est-ce que tu vas m'envoyer? Je dis, elle me dit, un bout de papier. Je dis, je vais garder un bout de papier dans mon portefeuille. Et je dis, le plastique, il part jeté à la poubelle. Le plastique est utilisé pendant 20 ans parce que ça couvre une carte. Elle dit, on n'a plus le droit. Alors ça, c'est ça. Mais c'est fou raide. Et comme tu dis, là, écoute, la gestion des aéroports, tout croche. L'émission des passeports, tout croche. Cafouillage pour les armes à feu. Cafouillage en ce qui a trait aux langues officielles. L'immigration, il y a des retards. Le système Phoenix, ça fonctionne pas. Parce que là, les gens disent au gouvernement, pourquoi vous avez changé de Sun Life à Canada Vie? Pouvez-vous régler ça, s'il vous plaît? Et là, le bureau du premier ministre renvoie la balle au Conseil du Trésor, qui renvoie la balle... Ah oui? C'est tout croche, là. Vraiment. Mais moi, je suis heureux que les aventures de Canada Life, Sun Life, commencent à être connues du grand public, parce que j'étais tout seul dans mon coin et à me lamenter, que je dis, je peux même pas la raconter, personne ne me croirait. Mais Richard, ça a duré au moins 6 mois, cette histoire-là. Au moins 6 mois. Ben, voyons. C'est la maison des fous, là. C'est exactement ce qui se passe au... Ottawa, la fond... Puis, je vais te donner... Parce que je travaille dans le domaine de l'administration publique. En fait, je suis expert, un des experts en résidence à l'École nationale d'administration publique. Et je vais te dire une chose, objectivement, sur la base de mon expérience et un peu d'expertise. Le Québec est un modèle d'administration publique à bien des égards. Quand on a créé une assurance parentale, ça a été créé et dans quelques mois, ils l'ont décentralisé. Ils ont envoyé ça à Rouyn-Noranda, sauf erreur, ma mémoire me dit c'était Rouyn-Noranda. Ils l'ont décentralisé, créé des bons emplois là-bas. Et en dans de quelques mois, les chèques étaient en train de sortir, le programme était tout monté. À Ottawa, les conservateurs de Stephen Harper étaient aux prises avec un système de paye qu'ils ont appuyé Go, qui s'appelait Phoenix, ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais marché. Et ça marche toujours pas. Et dans le dernier budget, il y avait des milliards de dollars pour essayer de le corriger. Quand tu dis dysfonction, quand tu dis incompétence, c'est x10. Mais le public le voit pas assez. Et si le public savait, moi, j'ai toujours dit que si on pouvait amener les gens du public à aller dans les tours de bureau, là, les tours à Hall, Gatineau, là, les tours de bureau, juste se promener sur les étages, il y aurait une révolution qu'on pourrait pas arrêter parce que les gens diraient, non, mais c'est pas vrai que je suis en train de payer pour ça. C'est vraiment les deux pieds dans la même bottine. Merci beaucoup. Bonne journée, Tom. À demain.